La grande famille de l'intervieweur.cd, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous me suivez à travers cette petite annonce qui annonce une série d'interviews qu'on va devoir réaliser ici dans une activité qui réunit les anciens de Maloula. Et c'est comme vous pouvez le constater derrière moi sur cette affiche. Moi, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous dis, venez avec moi, on va devoir les interviewer, mais aussi savoir réellement ce qui se passe dans ce bel espace. Non. Pour un voyage sans retour, un avion, la mort, paix à son âme, la mort, cet art triste, vraiment triste, elle est partie, elle ne reviendra plus jamais. Elle qui était parmi nous, elle qui était si souriante, elle est partie. Très tôt, vraiment très tôt. La mort. Un art triste. La mort. Un art triste. Cet amour, nous pouvons vous dire, voyez malade. L'Afrique est un continent plein d'amour. L'Afrique, ce berceau de l'humanité, distribue son lait à gauche, à droite, chez les voisins, chez les voisines. L'Afrique est plein d'amour. Ce soir, nous vous souhaitons la bienvenue. Et l'Afrique vous dit voyez malade. Le Congo, l'Afrique vous dit voyez malade. Bienvenue. Après ces grands voyages, de tout à l'heure, ces déplacements d'un point à un autre, nous vous souhaitons la bienvenue. Voyez madame. À vous madame, à vous monsieur, à vous là-bas, voyez madame. Africa, copain ici. Je ne suis pas en musique, mais il arrive des fois que j'oublie le pourquoi je suis à un endroit. Je ne suis pas en musique, mais il m'arrive des fois d'oublier le pourquoi je suis à un endroit. Alors, pour rafraîchir ma mémoire, tout à l'heure, je vais demander à deux gentilles personnes qui vont venir pour circonscrire ces instants. Et ensuite, nous allons dire comment avoir été si sélectif. Ce sont peut-être les questions que vous avez. Et tout à l'heure, vous aurez droit aux réponses. Et ensuite, nous aurons un de la part d'une personne. Alors, je ne citerai pas son nom tout de suite, parce que c'est une personne surprise qui viendra nous donner un mot pendant 10 minutes. Sera ouvert.
diable, nous serons en train de déguster, et par la bouche, et par les oreilles, avec la belle mélodie. Solo mama, bolingo ya nzambe, yelele ya yele. Elu sanga mama, nana ninga kayo, tango nyoso, seko kanisa yo na kumi tunakare. Soko ninga kanga impe na yebite, soko banza kanga na mole mana yo. Elu 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 ya mona kulinga linga. Amule ya solo ye bakawo eduwe Morima nangayo, mabanzo mangayo Ya yo kito kwa nzoto, ya mizoto likolo Koyo ya mole maya Santa Maria ose Longo nyana zambepe na mama bota yo Bomwe mbwana kuhi solo, soki ngai na zangiyo Yango na kobanga ya rango na kulinga lenga Iyelelele Kamu, kamu ya seri Weme yango soki ezala kite Bombelese, sanga na bobe Eruo, tarati manangai Pardonne-moi. Mon pays a connu Joseph Kasavubu, premier président de l'histoire. L'histoire m'a parlé de Joseph. En Égypte, l'histoire. Mais qui était d'un autre état, mais il est devenu Zaka. L'histoire. L'histoire me parle de Joseph. De Joseph d'Égypte. Mon pays, j'aime mon pays. Mon pays, le Congo. Mon pays m'a parlé de Joseph. Joseph Kasavubu. Mon pays a connu Joseph Kasavubu, premier président, lui qu'on éprouvait, Albert Malula, archevêque de Kinshasa, de 1964, en 1989, l'un des premiers prêtres de Kinshasa, Joseph. Albert Malula, fondateur du complexe scolaire cardinal Joseph Albert Malula. Complexe scolaire cardinal Joseph Albert Malula. Une vraie pépinière. Des têtes bien faites. Complexe cardinal Joseph Malula. Une vraie protection pour l'éducation des enfants. Cardinal Malula. Complexe scolaire. Cardinal Joseph Malula.
protection pour l'éducation de nos enfants. Pendant des années, ce complexe scolaire a protégé l'éducation de nos enfants. Complexe scolaire cardinal Joseph Albert Malpla. Une vue trépillière des têtes bien faites. Complexe scolaire cardinal Malpla. École privée d'enseignement primaire et secondaire. L'une des meilleures en République démocratique du Congo. Grâce à cette école, l'éducation des enfants sont rassurées. Grâce à cette école, l'éducation des enfants reçoit des balises. Grâce à cette école, l'éducation des enfants sont assurées. Grâce à cette école, on peut espérer avoir des grandes dames. Grâce à cette école, on peut espérer avoir des grands messieurs. Complexe scolaire cardinal Malpla, un vrai bouclier de l'éducation, un vrai bouclier pour protéger l'éducation de nos chers enfants. Chacun se souvient d'où il était, chacun se souviendra de ce souvenir. Comme l'été, quand la terre entière s'était arrêtée, focalisée sur la réussite d'un diplômé. Quand la poudre blanche sur la tête était parsemée, c'est doué, cette personne, c'était bien fou. Bien fou. Mais aujourd'hui, cette école a besoin de votre main, de votre tendre main, pour parachever l'éducation de ceux qui, après vous, cardinalement, l'éducation des enfants qui transforment l'éducation des enfants. Cet amour qui ronge mon cœur, l'amour de nos enfants, l'amour de l'éducation. Sur ma tête, l'amour brûle. Mes calculs brûlent, l'amour sans me consumer. Sur ma tête, l'amour brûle. Dans mon cœur, l'amour brûle. L'amour brûle pour nos enfants. L'amour brûle pour l'éducation. L'amour brûle pour ce panier. L'amour. L'amour brûle, dans mes calculs, l'amour brûle. Bonjour la rentrée scolaire, bonjour l'éducation. Bonjour l'éducation, bonjour l'avenir, l'amour. L'amour et encore l'amour, l'amour. Moi j'ai pris la décision. Papa a pris la décision. Maman a pris la décision de ne pas quitter ce lieu,
sans mettre la main dans ce panier, par amour, l'amour et encore l'amour. Cet amour qui brûle comme un feu sur ma tête, dans mon cœur, sans me consumer. L'amour. Si sans placer son amour dans ce panier, madame, l'amour. Ce soir, il est artiste, il est thérapeute, il va soigner au grand thérapeute, Eric Poé, pour soigner les âmes. Les âmes, siège de nos sentiments. Mais attention, le senti peut mentir. Mais ce soir, il va nous emmener haut et très loin. À tous et à chacun, je dis bon appétit. Et à ceux qui ont déjà atteint la dernière.